L'histoire de cette semaine, rebonsoir, elle est. C'est pas une histoire inspirée de la vie d'un tzaddik ou quoi que ce soit, c'est plus dans le cadre d'un machan, une parabole, une histoire que j'ai entendue de la bouche d'un maître conférencier israélien il y a quelques semaines avant la fête de Pessah, qui est donc était venu nous présenter Pessah dans une forme. Comment enseigner les Pessahs à ses enfants. Et là, il raconte que une fois, il y avait un homme qui avait trois garçons. Le premier était agriculteur, deuxième garçon était professeur, et troisième garçon trop jeune pour avoir un métier. Donc, et un jour, le père a décidé de proposer à ses trois fils un défi. Quel était le défi? C'est qu'il devait se monter dans le grenier du père et remplir la pièce complètement de ce qu'il voulait, mais il fallait que la pièce soit remplie. Donc le fils aîné qui est agriculteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris plusieurs tonnes de terre et il a rempli le grenier de terre. Il a appelé son père. Lorsque son père est monté au grenier, il a vu toute cette terre. Il a été récupéré une petite poignée de terre qu'il a mis sur le tas. Il a dit, mon fils, ton grenier n'est pas entièrement plein, je peux encore ajouter quelques poignées de terre. Le deuxième fils qui était professeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapporté des centaines de livres, et il a rempli le grenier de ses livres, et est arrivé un moment où le père est rentré avec un petit livre de prière, un petit livre de Tehillim, et il a rajouté dans le tas, il dit à son fils, mon grenier n'est pas plein. Le troisième fils, qui n'a ni métier, ni argent, ni quoi que ce soit pour pouvoir remplir la pièce, il s'est posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir remplir la mission que mon père m'a donnée? Et là, comme souvent, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Hachem. Et là, il a levé les yeux au ciel et il a dit, Hachem, donne-moi une idée. Au bout de quelques minutes, il appelle son père et lui dit, monte avec mon grenier. Quand il arrive au grenier, il voit que le grenier est vide. Il dit, tu te moques de moi. Il dit, papa, viens, on va faire une expérience ensemble. Il a fait rentrer dans le grenier, il a fermé la porte, il a éteint la lumière et il a gratté une allumette. Il dit, regarde, la pièce est remplie de lumière. Il a poursuivi l'expérience en lui disant, viens, on va sortir, on va ouvrir la porte. Et lorsqu'il a ouvert la porte, non seulement la lumière qui était restée dans la pièce a continué à être dans la pièce, mais elle est sortie vers l'extérieur. On peut remplir ce monde de beaucoup de choses avec un peu de lumière. On croit que la lumière, ça ne représente rien, mais comme le roi Salomon le dit, Shlomo HaMelech le dit dans Kohelet, le livre de l'Ecclésiaste, qui est une Megillah, un rouleau que l'on lit souvent dans les communautés séfarades pendant la fête de Shavuot, de Sukkot, Me'at or docheh harbeh choshev. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et on nous dit aussi que il vaut mieux récupérer de la lumière à partir de l'obscurité que d'aller apporter de la lumière à partir de la lumière. C'est-à-dire que nous, notre mission, notre but sur cette terre, c'est d'aller remplir de la lumière là où il n'y en a pas. La lumière, on la gratte avec rien. Ça vient du néant. C'est ex nihilo, yesh ma'in, à partir de rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde à partir de rien et il nous permet à nous, à travers la lumière que l'on apporte sur cette terre, de créer quelque chose à partir du néant. Et donc, il ne faut pas avoir beaucoup d'objets, beaucoup d'argent pour pouvoir rapporter. C'est justement à partir de rien, à partir d'une bonne parole qu'on apporte de la lumière à celui qui en a besoin, à partir d'une petite action qui ne vaut pratiquement rien, qu'on apporte beaucoup de lumière. Et non seulement elle nous remplit à nous, elle nous remplit notre entourage, et on remplit plus avec de la lumière qu'avec tous les objets matériels. Shavua Tov, à la semaine prochaine.